Grand-Quevilly, à quelques kilomètres de Rouen, ce bel immeuble de logements sociaux dispose d'installations d'énergie renouvelable. Sur le toit, une trentaine de panneaux solaires photovoltaïques permettent de fournir aux locataires une énergie écologique pour l'eau chaude. Ce type d'immeuble se développe de plus en plus, notamment grâce aux lois issues du Grenelle de l'environnement. L'appréhension de ces techniques-là peut paraître compliquée, mais justement avec les centres de formation MAPAV, on appréhende ces techniques-là plus sereinement et avec un professionnalisme comme ces centres-là, de façon à être à l'aise dans ces techniques. Cet immeuble, dit BBC pour bâtiment basse consommation, répond aux nouvelles normes thermiques dites RTE 2012. À l'intérieur, d'autres unités de production d'énergie basse consommation ont été installées. Le bailleur, Quevilly Habitat, a demandé à APAV de former ses techniciens à ces nouvelles technologies. C'est ici, à la maison de l'énergie du groupe APAV, à Rouen, que les ingénieurs d'APAV dispensent ces formations. Nous sommes sur le site de la maison d'énergie. C'est un centre de formation donc APAV dédié aux énergies renouvelables qui a été mis en service au second semestre 2011. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il est doté d'équipements pédagogiques novateurs dans le domaine des panneaux photovoltaïques, également des panneaux solaires thermiques. Le site, entièrement dédié à l'énergie, dispose de toutes les installations récentes. Panneaux photovoltaïques, bien sûr, mais aussi pompes à chaleur ou ateliers de désamiantage. Nous sommes dotés d'un plateau technique Calipac pour les formations sur les pompes à chaleur, sur le domaine de l'installation et de la maintenance. Ce centre intègre également un plateau technique pour les formations amiantes, également pour le montage des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en bâtiment et raccordement électrique. Donc, comme on peut le voir, ce sont des équipements pédagogiques qui sont très novateurs et donc qui rassemblent un grand nombre de clients. Les élèves peuvent ainsi pratiquer la maintenance des installations solaires thermiques intérieures et extérieures. On apprend à dimensionner les installations, les rendements, le type de capteur, de quoi est composée l'installation, et une petite partie pratique sur la partie maison d'énergie où on regarde un peu les paramètres en régulation et comment fonctionnent les régulations. Les ingénieurs d'APAV savent de quoi ils parlent. Ils assurent également des missions techniques auprès des entreprises. Cette formation, qui dure 2 jours, aborde les aspects techniques et théoriques, apprentissage de l'installation et de la maintenance, mais également formation théorique avec calcul complexe. Le réfractomètre qui va permettre de déterminer la concentration en glycol de la solution. La maison de l'énergie d'APAV accueille des constructeurs, maîtres d'ouvrage, exploitants, mais aussi des artisans qui vont entretenir ces outils d'avenir.